Bonjour mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de votre fidélité sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez au monde, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, à ce 28 décembre 2023, nous vous sommes encore présents dans les Alakakak à chaque jour pour les informations, pour nos analyses, pour nos news, pour les Kanakati et Mboka Nabiso. Je suis Youssouf Kibingila David, journaliste à Congo Live TV. Et Naza Awa pona ba différentes nouvelles oyo tozo sale la ba analyse na biso ya lelo. Refrain des tensions autour de Goma, des affrontements entre jeunes résistants Wazalendo et les M23 ont repris à Kibumba, approchant la ville de Goma l'après-midi de ce mercredi, rapporte plusieurs sources locales. Les M23 acquises Les Wazalendo accusent les M23 d'être passés à l'offensive, ce que les rebelles du M23 démentent avec une grande force. Les cessez-le-feu entre les M23 et les FRDC violés depuis la semaine dernière. Des combats ont été signalés dans plusieurs localités dans les Masisi autour de la cité Yasake. Situation en haut, ti héros yo ya cessez-le-feu, situation en haut, ti héros yo ya. Yabitumba oyezo le kama na Est République démocratique du Congo et tikali tandi. Voyons que babitumba zo salema na Masisi, voyons que babitumba zo salema non loin ya cité ya Sake, lobilobia ba eko signaler biso que non ba détonnement ya ba lourd arme oyoyo kami na ba côté ya ba Kibumba. Kibumba za musika te na Goma wala siko za nzela ya kokende na Rutshuru. Otiki nzela ya Masisi, ozui nzela ya kokende na Rutshuru, soki oza na ville ya Goma, Kibumba eza musika te. Et puis, boyo kakeno, c'est le fait angwe zela ki signale ke esengela ki zela respecte. Boyo kakeno, c'est le fait entre M23 na FARDC, esengela ki zela respecte, mais respect a c'est le fait wana eza na ngote. Bazo respecte angote. Tozo observe depuis quelques jours, depuis semaine passée, c'est le fait que vous allez respecter la communauté internationale et les États-Unis et la violation de cesser le fait. On est comme déjà un grand problème lorsqu'il n'y a pas le respect à cesser le fait. On est comme déjà un grand problème parce que la perte est toujours la population. Je suis un peu plus de la population de la victime. Je suis un peu plus de place, mais la victime est la victime de la population. Donc, wana likambo ezo lekama na Est de la République à ce qui concerne Bitumba. Les rebelles du M23 RDF contrôlent actuellement Mushaki jusqu'à la rivière Matanda, à environ 7 km de la cité minière de Rubaya. Ces mêmes rebelles contrôlent depuis la cité de Mushaki, Karuba, jusqu'au village Rushoga, à environ 10 km de Rubaya, à Bambo. Les rebelles du M23 ont entamé la chasse à l'homme contre tous les présumés collaborateurs de Wazalendo. Un jeune de la place vient de passer 7 jours dans les cachots avant d'être libéré cet avant-hier. Donc, jeune wana, bazalaki basi bazuye, bakangiye, banani wana, ba M23. Wana sango ezo pesa mana biso na batu oyo bazo fanda. Na batu oyo bazo fanda kuna place Bitumba ezolekama. Donc M23 e bandi déjà chasse à l'homme na batunyo soana bazo sala banani ba collaboration na ba Wazalendo ngo. Donc c'est comme si ça se voit que si tu es une personne qui vive dans cette entité et que tu fais une collaboration avec les Wazalendo, si un membre ou les rebelles du M23 tombe sur toi, pour toi c'est fini. Il nous a été signalé que quelqu'un a fait 7 jours. Un jeune garçon et une jeune fille, basala qui 7 jours na kacho. Pour nanini, ils sont en train de faire une collaboration avec les Wazalendo. Ça c'est déjà une situation très tendue, ça c'est une situation oyoko salemate vraiment na mboka oyo mitosi loko la République démocratique du Congo, des choses pareilles ne devraient pas exister. Des choses pareilles ne devraient pas être visibles. Des choses pareilles ne devraient pas être remarquées.
où la population, la République dit que non, il faut que les gens démocrate. Il faut démocratie, il faut que la démocratie règne sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Une chose qui n'est pas maintenant comme ça doit être. Il n'y a pas la démocratie. Lorsque les paisibles citoyens de Masisi sont attaqués, lorsque les paisibles citoyens de Masisi meurent du jour au lendemain, lorsque les paisibles citoyens de Masisi sont victimes de cette agression rwandaise, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux, vraiment. Et puis, les gens devraient. Et c'est là qu'il n'a pas balader, c'est là qu'il n'a pas tambour, et c'est là qu'il n'a pas ça mouvement là bango ba trafic na bango ndenge ba sala ka ko kende bilanga ko sala boye se déplacer ko zwa ba tabana yo kende oli sango ko zwa bloc ba meme na yo kende sala boye ko zwa boye na nyo so les os les maté ça ne se fait plus. Et puis il nous signale que si ces rebelles du M23 apprennent que tu es en train de faire une collaboration avec les Oisalendo, donc pour toi, c'est fini. Pour toi, c'est l'enfer. Est-ce que c'est ça la démocratie que le peuple est en train de vivre? Non. Le peuple n'est pas en train de vivre la démocratie. Est-ce que le peuple est en train de vivre l'indépendance? Non. Voilà déjà, ils ont sous forme que bazo colonisé Bango na M23. M23, ils ont colonisé Bango. Wana ils ont simbaté. Une chose qui ne donne pas vraiment de l'ampleur. Dans la cité de Bambo, contrôlée par M23 RDF, Bambo jusqu'à présent, je vous dis vrai. Bambo jusqu'à présent, comme nous a confirmé les sources sur place, que Bambo jusqu'à présent est occupé par les rebelles, il y a M23. Un homme du nom de Zirakiza Semivumbi et une jeune fillette ont été blessés par balle avant-hier alors dans la nuit. Donc l'obiwane leki. Na botu wana na bambo kaka. Cité wana nan, 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 village wana ya bambo. Place wana bambo. Ba rebelle yango ya RDF. Ba zokisaki un jeune garçon et une jeune fillette. Et encore plus par balle. Ça c'est un problème sérieux. Pourquoi? Apparemment, ils avaient entendu que ces deux personnes-là faisaient une collaboration avec les Oisalendo, les patriotes, les résistants patriotes, les Oisalendo, comme ils sont appelés. Et puis, malheur à eux, bah quoi ils n'ont pas trop pour un M23. Ah, bah zui bango, bah kayase bango, bah zui balboy. C'est un problème sérieux. Ces blessés sont pris en charge par MSF. Heureusement, MSF faisait en gros nanani na entité wana MCF ezalaka de l'autre partie yango ezosunga na ba soins médicaux ya bato wana à l'hôpital général de référence de Bambo, toujours à Bambo wana. Donc omona makambo yango ndenge ezolekama, omona situation yango ndenge ezotambola dans l'est de la République, à l'est de la République, dans les territoires de Masisi, dans les territoires de Rutshuru, vraiment ça ne va pas. Les choses ne vont pas vraiment telles que Sengela qui est Simba. Dans cette période de fin d'année, ces gens devraient se déplacer pour aller dans divers villages, pour venir en ville. Il y a certains qui quittaient la ville, ils quittent la ville de Goma, et puis ils s'orientent jusqu'au village pour aller passer de bons temps au village avec leur famille et tout le reste. Mais ça ne se fait pas. Il y a des gens qui se déplaçaient souvent, fin d'année, bazui na bango famille Mobimba, bakéina na village. Nous avons plein d'exemples de personnes qui partaient. Mais qui ne partaient pas. Lorsque nous sommes en train d'essayer de voir ces gens, on les demande c'est quoi les problèmes, pourquoi vous ne partez pas. Ils nous disent, mais la guerre, papa. La guerre, monsieur les journalistes. La guerre, il n'y a pas moyen que Tokende. Il n'y a pas moyen qu'on se déplace. Il y a certains qui sont en train d'oser de partir. Il y a ceux qui sont en train d'essayer à Kokende. Mais pourquoi les routes ne sont pas barricadées? Les trafics routiers ne sont pas disponibles. Quelqu'un peut se dire que non, ils quittent Goma, place Toza Héroïque, dans la ville de Goma. Ville, province, il y a. Chef-lieu, pardon, chef-lieu, il y a province à Nord Kivu. Goma, place Tozaero. Moutoukolo Bakeno, Aniyami déplacé dans Masisi pour Akendeko visiter famille, pour a passer, yéna famille, naye, bah, bon week-end, peut-être, tout le babongo, parce que c'est possible. Il y a des gens qui quittaient Goma pour Masisi, juste pour passer de bons week-ends. Il peut aller, il peut partir soit aujourd'hui, certains partaient vendredi, samedi, il rentre pour lui le lundi.
Ceux-là ne se font plus, ces trafics-là ne se réalisent plus. Pourquoi les rebelles, bah, si bah, kanginze là? Bah, rebelles, bah, kanginze là. Il y a des gens qui prévoyaient aller passer le temps à Mouchaki. Il y a des gens qui prévoyaient fin d'année Boé aller passer le temps à Nyabiondo. Il y a des gens qui prévoyaient aller passer le temps à Massissi Centre. Il y a des gens qui prévoyaient que Namboula, ce qui est Sili, Mboula oyo ya 2023, vraiment ngana kokendelanga kuna na Mouchaki. Aller passer mes séjours là-bas, mes congés là-bas, mais ça ne se fait pas. Des collines qui sont entourées par des rebelles, des collines qui sont entourées par les RDF, soutenues par les Rwandais, comme le confirment plusieurs sources. Voyez-vous? Donc c'est une situation qui fait vraiment mal au cœur, c'est une situation tellement déplorable, c'est une situation qui fait tellement mal aux paisibles citoyens. Et puis, une question que les paisibles citoyens se demandent, jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'à quand cette situation est continuer l'ango? Jusqu'à quand ils seront libres et vivre dans leur territoire, vivre dans leur entité, vivre dans leur village comme des paisibles citoyens? C'est une question qui se demande. Le gouvernement congolais qui est là, le gouvernement congolais qui continue à respecter les cessez-le-feu, mais les M23 qui ne respectent pas les cessez-le-feu, comme l'a confirmé une source officielle, que non, encore une fois de plus, les M23 attaquent nos positions. Mais les M23, à leur tour, ils accusent aussi les FARDC d'avoir attaqué leur position. Maintenant, là, il y a quoi qu'isma? Qu'est-ce qu'on peut retenir de là? Est-ce que c'est le M23 qui est en train d'attaquer en premier les positions des FARDC? Est-ce que c'est le FARDC qui est en train d'attaquer en premier les positions du M23? Mais tout ce qui est important là-bas est que la population devrait vivre la paix. La population devait vivre la sécurité. C'est tout ce qui est important là-bas. C'est tout ce qui est vraiment Ondesa Malunga, Nabasigenyo Swala. Et puis, la population Elimbi, Baolemba là-bas. Bazo lemba déjà situation. Que situation de ngezo salema, bazo lemba na bango. Voyez-vous? Il y a des choses au ngezo salema na mboka qui ne devraient pas se faire en République démocratique du Congo. Il y a des choses qui sont en train de se dérouler. Ah, yomo yo ki olbi. Ah, mais ça c'est déplorable. Ça c'est catastrophe. Ça ne devrait pas se faire. Dans un État comme République démocratique du Congo, il ne fallait pas que ces choses se réalisent. Mais on observe ça, Yokami, mais Baboumeli Moto, Baboumeli Moto, Tobatigili Kamboyango, Tozotunasko, Bakonzi, Baboumeli Moto, Toli Kambango, Botikinengenini. Mais c'est là qui est ici, là, mon Konziamboka, et c'est là la situation ici, là. Les paisibles citoyens, tes enfants congolais, Balembi Kamboyango. Ba petit nom ya Congo, ba fandaka na Congo, précisément à Masisi, à Rutshuru, à Nituri. Ba petit nom wana ba lembi. Ba petit nom ba fanda na Beni mokonzi ya mboka ba lembi. Yango ba lo ba mokonzi tale la biso likambo yo. Donc likambo yango est débordé. Il y a des choses qui se réalisent dans la nation congolaise au Sengela qui te ezala. Lokola on a observé to mona ki ba vidéo oyo asala ki M23 et Zaki na meeting nango, ils ont tenu un grand meeting à Rutshuru il y a 2 jours et passé ici où Willy Ngoma lui-même en personne il a déclaré que non Monsieur Félix Antoine Tshisekedi qui est jusqu'à présent à fonction président de la République du Congo et qui président Mbo Kango RDC il dit le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut jamais récupérer même 1 centimètre là où moi je suis, ou bien là où nous sommes, même pas 1 millimètre. Est-ce que mon cousin Yambo Kayoka qui est sanguango? Est-ce que mon cousin Yambo Kayoka qui est en masolo yango? Yango, c'est une question que la population est en train de se poser et disent, est-ce que mon cousin Yambo Kayoka, Félix Antoine Tshisekedi, azo yoka likambo, oyo banguna, bazo sala sur les sols congolais? Mais d'après la population, que ces gens devaient être chassés, ces gens devaient être pendus. Ça ne peut jamais se faire. Au finga boy mokonzi amboka bien qu'aux rebelles nakati amboka nae, ça ne devrait pas se faire. Voilà une sur ma situation. Ils ont ça la mal au cœur de ces paisibles citoyens congolais.
qui vivent dans l'insécurité depuis ce temps, qui vivent dans l'insécurité depuis un temps, qui vivent dans la guerre depuis ce temps. Boye bibino moko, peut-être bofandi na diaspora ndenge bolanda kabiso na Congo Live TV, bofandi na diaspora, mais situation oyozo leka koto yo à l'est. Peut-être bofandi Lubumbashi, wana pe ba situation zo tele mais kuna souci mobulu fort. Peut-être bofandi na kini, kuna ndenge lo bate ba manifestation kili kili. Peut-être bofandi Kisangani, peut-être bofandi Kindu. Peut-être ofandi Matadi, peut-être ofandi Luozi, ofandi Congo Central. Mais situation yozo leka na kati ya mboka awa à l'est de la République, eza situation moko eza vraiment grave. Population ezo nyokwama fort. Likoloba ba insécurité, likoloba bitumba, likoloba nini, likoloba nini. Donc ça ne tue pas. C'est pas bon. Voyez? Donc c'est pas bon. Vous-même, vous savez que s'il y a la guerre, s'il y a des choses pareilles, il n'y a pas la paix. Voyez-vous, il y a des gens qui voudraient bien partir au village. Vous, comme vous le savez, n'habitez ce poteau, vous savez, Kango. Mais, vous savez, Kango, Kotoyo. Les gens qui voudraient bien quitter Goma pour aller passer l'État à Karuba. Les gens qui voudraient bien quitter Goma pour aller passer l'État à Ngungu dans ces jours de festivités. Les gens qui voudraient bien quitter Goma pour aller passer l'État à Mushaki. Les gens qui voudraient bien quitter Goma pour aller passer l'État à Nyabiondo, à Masisi. Mais ça ne se réalise pas. Pourquoi? La guerre a bloqué tout. Même les circulations routières. Bloquées. Vous voyez que je suis que non, vraiment, ceux qui ont été en Zélawana, donc ils ont aussi au Kanga, Liwa, Loba, qui Liwana, et Longoka. Tu vois? Et puis c'est vraiment dangereux. Banalise na biso ya lelo to ba tozo apporter ngo pour la situation wana ya ngwana mokonzi oyo akoleka tozo c'est la ba resultat mokonzi oyo akoleka oyo kozala président de la république il y a 2024 ko ba na 2024 ti 2028 mokonzi wana azana charge mokonzi wana azana musala oyo singili vraiment à ça ko sili sa ba bitumba koto vraiment il faut makasi ça. C'est pourquoi le peuple congolais attaque grand du nouveau président Oyakuzalawana. Président Oyakuzalawana, n'importe qui parmi celles qui seront élus, les tendances Oyozobima, Binomogoboyebi, la réalité, Binomogoboyebi. Mais le président qui sera là-bas, le président qui sera élu comme président de la République démocratique du Congo, qui sera le père de la nation Oyakuzala, garant de la nation congolaise. Dira les 5 ans où ils ont vraiment Congo, ils ont été ébellés et panaillés. Est la République, ils ont été ébellés et panaillés. Est la République, ils ont été ébandako vivre kimia. Est la République, ils ont été ébandako vivre nango kimia. Donc ils se préparent déjà, sachant qu'une situation qui est à l'est de la République, il va faire front à la guerre. Il va faire face à des ennemis. Il fera face à Nabanguna. Oui, il faut qui mis ça pour les gens de Masisi, les gens de Ruchuru, les gens de Bibwe, les gens de Beni, les gens de Ituri, d'Ituri, pardon. Ba fanda na bango na kimia. Ba zala na bango bien. Ba miyoka na bango à l'aise. Na kati ya mboka na bango, ils sont des Congolais. Ils doivent vivre la paix chez eux, ils doivent vivre la sécurité chez eux. Ils doivent se déambuler, ils peuvent se balader quand ils veulent, partout où ils veulent. Ils sont des paisibles citoyens congolais. Donc voilà un peu la situation sécuritaire à Mbokango. En quelques mots, lobe la manifestation où il y a Salemaki, l'Obiwana, où il y a opposition. Opposition, ils ont benga qui n'ont pas annulé l'élection. Ah! Mais nous avons observé à VPM, vice-premier ministre à l'intérieur, Peter Kazadi, qui avait dit que non, manifestation n'est pas arrêtée. Il a vraiment refusé. Manifestation à fallait pas ça, mais les opposants, notamment Martin Fayulu et les restes, ils ont dit bango bako ça la manifestation, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il soit, ils feront de la cette manifestation. Et cette manifestation a eu lieu hier à Kinshasa où plusieurs dégâts ont été observés. Plusieurs dégâts ont été observés. Il y a les sangs qui ont coulé. Tout le monde qui va policier, n'est pas bandaki, vous allez bango na ba militant. Et puis, chose drôle maintenant, de son côté, Martin Fayulu qui accuse les militants de l'UDPS de l'avoir agressé ou de les avoir, d'avoir été mélangé avec les agents de l'ordre, qui est police. Donc,
talango likambo esukeli toyebite ndenge nini ekozala apres bato wana oyo bazokaki bato wana ndenge ezalaki boni ekozala apres situation eza vraiment tandi à l'est de la république situation tandi en république démocratique du congo à lubumbashi à l'est de la république à kinshasa pendant que nous sommes à quelques 2-3 jours de la proclamation des élections des résultats finaux des élections du 20 décembre 2023. C'est une situation vraiment aussi mamotema. Et on ne sait pas ce qui sera après. Lorsque la CENI va donner les résultats finaux de ces élections, qu'est-ce qui va être? Qu'est-ce qui va être? Nini ekozala après? Bakonzi ya mboka, botale la biso likambo oyo. Parce que s'il y a des mauvaises choses, des répercussions qui venaient après la publication de ces résultats, c'est vraiment la population qui en sera victime. C'est vraiment la population, les sangs des paisibles Congolais, les citoyens Congolais, les sangs qui vont couler. Vraiment, botala likambwana, et prenez des dispositions quant à cela. Prenez des dispositions à ce sujet. Pendant que nous sommes à quelques jours des résultats finaux et bimanango, vraiment, bozoa ba disposition. Parce que le peuple congolais veut vivre la paix, le peuple congolais veut vivre la sécurité, et le nouveau président qui sera là, ou bien le président qui sera élu, pas nouveau président, Tolobakaka, le président qui sera élu, le peuple congolais attend de vous beaucoup de choses. La sécurité, banini, 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 beaucoup de provinces, aux autres, n'ont pas de problème. À l'est, il y a les problèmes et la sécurité. À l'ouest, il y a d'autres problèmes. Aussi, au nord, il y a d'autres problèmes. Bah, inondation, tiki ko salama nanana Bukavu. Wana nyoso ba problème. Fallait que l'État intervenir. Fallait que l'État soit là-bas pour voir ce qu'il va faire et lokola État congolais. Wana nyoso ba problème. Alors, au lieu de se battre, au lieu de faire ceci pour un intérêt à Moussousou, vraiment, il est important que nous soyons unis. Il est important que tous ala bomoko. Il est important que les choses aient simbana. Voilà un peu ce qui concerne ma situation au Yézé le Kalamboka. Merci encore une fois de plus pour aujourd'hui, Nabiloko Oyo Bosali. Vraiment, merci beaucoup. Et Kenzambe Apa Molabino. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout au monde. Les téléspectateurs de Congo Live TV, merci de tout ce que vous, de partout où vous êtes. Merci de nous avoir suivis depuis le début. Je suis Youssouf Kibingila David. Je suis sur le 243-993-46-71-93 également. Je suis journaliste à Congo Live TV. Merci et passez une excellente journée. Bye bye et à la prochaine.